une liberté au surfeur de se positionner où il l'entend. Il offre cette liberté grâce à la possibilité de changer de direction de manière plus efficace que sans aileron, et la possibilité de conserver une trajectoire sans dériver de cette trajectoire, de manière à conserver le contrôle de sa position. C'est-à-dire que si le surfeur décide de venir ici, il ne va pas falloir qu'il se retrouve là ou là. La vague, elle aura changé de trajectoire, elle aura changé de forme, et s'il se retrouve là, il faut qu'il envisage complètement de nouveau sa trajectoire, et ça nuit à sa lecture de la vague. Donc plus le surfeur a une trajectoire qui correspond à ce qu'il a envisagé, plus il est libre de choisir sa direction, de choisir la manière dont il sort sa vague. Donc la direction. Ensuite, il y a aussi une question de distance. C'est-à-dire que si je veux être à cette position-là, ben, ce n'est pas ici qu'il faut que je me trouve. C'est bien ici. Donc si je ne vais pas assez vite, je ne vais pas me retrouver au bon endroit et ma lecture de vague va être aussi faussée à cause de ce manque de liberté de placement. Donc tout l'intérêt de l'aileron, c'est d'offrir de la liberté de placement et de mouvement sous des impulsions du surfeur. L'idée a été apportée en 1934 par Tom Leck, qui pour la première fois équipe sa planche d'un aileron. Alors avant, sur des planches, on n'avait pas d'aileron, alors pour tourner c'était un peu plus compliqué. Le surfeur, il donnait donc effectivement des impulsions, on va dire, latérales, pour provoquer une rotation de sa planche et changer de direction, et en s'appuyant sur le quart, il arrivait donc à conserver une trajectoire et à changer de direction. Mais ceci se faisait avec beaucoup de pertes et de glissements qui faisaient que dans sa trajectoire qu'il voyait comme ça, le surfeur se retrouvait très souvent dans une trajectoire plutôt comme ça. Ce que Tom Black propose, c'est de mettre un appui à l'arrière de la planche qui évite le glissement de cette planche à l'arrière. Et sous l'impulsion du surfeur, on va avoir un pivotement de l'avant de la planche correspondant pratiquement au double de ce qui lui arrive à pivoter sans perdre de positionnement de l'arrière, sans dérapage. Ça, c'est un des premiers apports de l'aileron, on va dire, le point d'appui. Ensuite, ce point d'appui, il offre aussi une autre chose assez importante en termes de stabilité. Si je place ma planche verticale et que j'ai une direction qui est dans ce sens-là, si j'ai un léger point d'appui derrière, une légère force qui freine ma planche, automatiquement, le fluide qui arrive sur ma planche, au lieu de conserver ma planche en travers, va automatiquement rabattre l'arrière de ma planche ici pour me redonner une direction parallèle au déplacement. Si mon point d'appui est au centre, en fait cet effet de redressement de pivot va pouvoir se faire aussi bien par l'avant que par l'arrière, donc le déséquilibre est total. Si le point de pivot est encore plus à l'avant, on va avoir carrément une planche qui va se retourner sous l'effet de cette retenue arrière. Donc ce que nous apporte l'aileron comme deuxième avantage, c'est que quel que soit le mouvement, il aura toujours tendance à ramener la planche parallèle au sens du fluide. Et ça, c'est de la stabilité. Plus l'aileron est placé sur l'arrière, plus il a tendance à aligner la planche avec la trajectoire du fluide. Bon, pour la stabilité, on a compris, mais pour la liberté de positionnement, maintenant, donc, on va regarder un peu plus près comment ça se passe. Lorsque je me positionne à cet endroit ici, et que je décide de tourner dans ce sens-là, par exemple, mon aileron arrière
va venir me servir donc d'appui pour mes pieds. Je vais pouvoir forcer avec mon pied avant dans ce sens-là. Forcément, mon corps va avoir une rotation autour de son centre de gravité et obligatoirement générer aussi une poussée dans ce sens-là. Globalement, cette poussée ici, ce dérapage de l'arrière de ma planche sera retenu par la portance de l'aileron, c'est-à-dire sa capacité à ne pas déraper. Donc globalement, on retiendra que pour bien tourner, il faut une bonne force d'appui ici. Donc un aileron qui génère beaucoup de portance. Pour ne pas se retrouver en retard sur le point de trajectoire qu'on avait décidé, il faudra aussi que notre aileron ne génère pas trop de force de traînée qui nous ralentira lors de la manœuvre. Si je suis trop ralenti dans ma manœuvre, au lieu de me trouver ici, je vais me retrouver ici. Si je dérive trop dans ma manœuvre, au lieu de me retrouver ici, je vais me retrouver ici. Si je fais les deux à la fois, je vais me retrouver là, alors que c'était là que je voulais être. Donc on va demander à l'aileron deux choses, d'avoir une bonne force de portance et une très faible force de traînée pour ne pas me faire perdre de vitesse. Un bon aileron sera donc un aileron qui me donne beaucoup de portance et peu de traînée. Globalement, ça a un nom, ça. Portance divisée par traînée, c'est ce qu'on appelle la finesse d'un aileron. Ou d'une aile d'avion, c'est la même chose. Donc, beaucoup de portance, peu de traînée égale finesse importante, et c'est la qualité de notre aile, la qualité de notre aileron, c'est la finesse. Là, on va juste regarder deux minutes l'aérodynamique, et l'hydrodynamique, c'est la même chose. Et on va juste comprendre qu'un aileron peut être très bon dans une configuration et très mauvais dans une autre, alors que c'est le même aileron. Ah, là, on va vraiment toucher au problème du côté statique d'un aileron et de son besoin de dynamique et de géométrie variable. Lorsque le fluide arrive tout droit, on n'a pas besoin de portance, on n'a pas de dérapage et on a une très faible traînée. On va dire que jusque-là, tout va bien. N'importe quel aileron peut faire l'affaire. Le problème intervient lorsqu'on commence à faire des trajectoires qui sont un peu plus serrées, qu'on veut faire des virages. Chaque virage entraîne obligatoirement un déplacement, aussi infime qu'il soit, de l'arrière. Imaginons que je sois dans une courbure de virage comme ça. J'ai mes pieds qui sont ici. Je vais mettre le rond un peu plus derrière. Admettons que j'ai les pieds qui sont ici. Bon, ils sont un peu plus en arrière normalement, mais admettons. Je génère donc, pour tourner dans ce sens-là, je génère donc une poussée avec ma jambe avant ici, mon pied. Et forcément, vu que mon corps a un centre de gravité qui va être environ par là, disons, je vais aussi, en réaction, appuyer sur l'arrière pour faire tourner la globalité de ma planche. Ceci donc génère un dérapage de la planche, comme ça. Si j'observe la trajectoire du fluide relativement à l'aileron, l'aileron, lui, ce qu'il voit, c'est plus une trajectoire droite, mais c'est une trajectoire inclinée par le déplacement de l'arrière et par la vitesse du fluide. C'est-à-dire qu'on a la vitesse du fluide qui est ici. Je vais enlever les pieds pour qu'on voit mieux. Donc dans cette trajectoire courbe, j'ai deux composantes. J'ai la composante qui correspond à la vitesse de déplacement du surf, mais j'ai la composante, le surf dérapant légèrement sur l'arrière, à une vitesse plus ou moins importante, mais non nulle. On a une composante donc de réaction au dérapage qui est dans le sens opposé au dérapage. Et on a une vitesse réellement perçue par le profil, qui est une projection, une résultante, qui donne donc un angle d'attaque, qu'on appelle l'angle d'incidence, qui est réellement perçu par le profil. Donc dans un virage, on retiendra juste deux choses. C'est que plus le virage est violent, plus on a de dérapage, plus l'angle d'incidence est important. Plus on va en ligne droite, moins on a d'angle d'incidence.
On va juste retenir ça, c'est que plus on veut être radical ou avoir des virages serrés, plus l'angle d'incidence est radical. Et on va voir que notre aileron, lui, il marche bien jusqu'à une certaine limite. Alors, qu'est-ce que c'est bien marcher? On rappelle, c'est portant divisé par traînée égale F. Un aileron qui marche bien, c'est celui qui a une bonne finesse. Donc, beaucoup de portance, peu de traînée. Voyons ce qui se passe lorsqu'on est en train de faire un virage serré. On a notre composante de vitesse, de déplacement, et on a notre composante de dérapage, qui est d'autant plus importante que le dérapage ou que le virage est serré. Donc, on a vu que plus le dérapage est important, plus cet angle ici, I, est important. Il existe un angle que l'aileron ne sait pas dépasser sans perdre ses capacités à faire une belle finesse. Ça s'appelle l'angle de décrochage. Cet angle intervient environ autour des 20 degrés, admettons, environ. Donc, je vais redessiner légèrement différemment. Je vais mettre mon angle limite ici à 20 degrés. Au-dessous, tout se passe bien, on va dire, dans le sens où c'est que l'aileron, lui, génère une bonne portance et peut traîner. Au-dessus de 20 degrés, dans cette zone rouge, donc on va dire plutôt que là c'est la zone bleue, la zone bonne, et là c'est la zone, on va dire, tout ce qui est au-dessus, c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'à partir de 20 degrés, le décrochage fait que la portance ici qui était là s'effondre et que la traînée, elle, devient très importante. Alors on va pas peut-être rentrer dans la théorie aérodynamique, mais globalement ce qu'on peut savoir c'est que vu que le fluide a un angle d'attaque trop important, il ne colle plus à la surface de l'extrado. Et cette déviation qu'il créait légèrement tant qu'il collait, ça générait une dépression qui était directement source d'aspiration et de force de portance. Si on dépasse un certain angle, il y a ici des recirculations de fluide, des turbulences qui vont percer, qui vont remplir cette couche de vide et qui font tomber la portance parce qu'il n'y a plus de dépression. Et au contraire, ça fait une turbulence arrière qui augmente la perturbation du fluide et c'est elle qui est la cause de l'augmentation de la traînée. Donc, passé la limite de 20 degrés, on a le décrochage aéro ou hydrodynamique qui génère des dégradations des performances du profil. Et ça se traduit tout simplement par un aileron qui se met à freiner beaucoup, mais qui ne retient plus beaucoup. Donc en fait, on dérape et on est ralenti. Et l'objectif qui était de conserver une trajectoire bonne est perdu. Alors pour remédier à ce problème-là, les shapers, dans les années 60, ont trouvé une solution. Si on est dans une trajectoire avec un fort virage, on va avoir donc une composante latérale importante, une composante ici, donc un angle ici. Pour ne pas que l'aileron ici, s'il est droit, pour ne pas que l'angle dépasse les 20 degrés ici, les 20 degrés catastrophiques on va dire, eh ben on va réduire cet angle artificiellement en donnant une certaine inclinaison à notre aileron ici, pour que l'angle entre cette position maximum de dérive, entre cette variation d'angle générée par la dérive, soit moins important. Donc on va mettre un aileron ici qui ne sera plus droit, mais un aileron légèrement incliné sur le côté, et même chose de l'autre côté pour le virage inverse. Ceci a directement produit ce qu'on appelle les twins, c'est les shapes avec deux ailerons, qui étaient qui sont toujours des surfs de manœuvres très radicales. Le problème de ces deux ailerons, c'est qu'il y en a un qui travaille bien dans un sens,
un qui travaille bien dans l'autre, mais que globalement, quand on va tout droit, les deux génèrent une traînée beaucoup plus importante que s'ils étaient droits, bien sûr, mais aussi il y en a un qui est toujours en opposition à l'autre, et pour que la manœuvre soit efficace, il faut arriver à le sortir de l'eau pour que ça fonctionne bien. Si on ne sort pas cet aileron de l'eau, la manœuvre est vraiment freinée. Donc ça, c'est une des problématiques du twin avec des ailerons statiques. Maintenant, voyons un twin avec des ailerons dynamiques. Alors, qu'est-ce qu'un aileron dynamique ? Un aileron dynamique a la capacité de modifier son positionnement pour conserver un angle d'incidence toujours optimum pour ne pas franchir la barrière de décrochage. C'est-à-dire que lorsque le dérapage de l'arrière de la planche se produit, en conséquence, le fluide, lui, si la planche part vers l'arrière, le fluide vient prend une composante latérale. Cette composante latérale est utilisée pour faire modifier l'angle de positionnement, de calage du profil pour que l'angle d'incidence optimum inférieur à 20 degrés soit toujours conservé. Alors ceci, c'est pas mal, mais ça aurait un problème, c'est que ça orienterait la sortie de fluide dans une direction qui n'est plus la direction de la planche. Ça fait que globalement, on aurait un effet de gouvernail qui ferait pivoter la planche à contresens, alors que nous, on veut quand même éviter ce pivotement global ici. D'où la nécessité de créer de la cambrure sur le profil, donc encore une autre forme de profil, en plus de cette modification d'incidence, il nous faut modifier sa cambrure. Donc l'incidence est orientée dans le sens du fluide pour être optimum, et on va cambrer le profil, lui donner de la cambrure, pour que sa sortie en bord de fuite réaligne le fluide dans la bonne direction, pour ainsi diminuer les pertes et réaligner l'arrière de la planche. Ce phénomène de variation d'angle d'incidence automatique et dynamique a une autre propriété, c'est qu'il a tendance à incliner la portance vers l'avant et à ainsi générer une composante d'impulsion, une force dirigée vers l'avant de la planche qui accélère la planche lorsque l'on fait une manœuvre latérale. Ainsi, toute manœuvre génère une transformation du profil qui réoriente les forces de manière à pousser et les directions de fluide avalent de manière à avoir une traînée minimum et une portance maximum, et en plus une orientation de la portance qui crée une impulsion qui propulse la planche vers l'avant. Ainsi, toute manœuvre est agrémentée d'une poussée. Alors cet aileron dynamique, d'ailleurs produit par la marque Fine, présente donc l'avantage d'être capable de transformer tout twin dont le défaut était d'avoir deux orientations générant des forces de traînée et des oppositions des deux angles qui créaient des trajectoires compliquées à maintenir si l'on ne sortait pas de l'eau. Aujourd'hui, si on prend un twin et on l'équipe avec un système d'aileron dynamique, on va pouvoir avoir nos ailerons qui s'auto-orientent quand ça va tout droit,
Donc il garde un parallélisme. Et lorsqu'on a un dérapage, un virage sur le côté, les ailerons vont s'orienter tous les deux en même temps et provoquer chacun en même temps, une force de portance réalignée avec une composante de pulse alignée et une redirection arrière alignée. Ceci provoque une poussée à chaque virage et une manœuvrabilité extrême. Envisageable pour tout type de planche, que ce soit le single qui lui d'un seul coup devient manœuvrable grâce à la déformation uniquement dans le besoin, mais qui garde sa stabilité pour les grosses vagues. C'est tout à fait possible pour donc un twin, on a vu, mais aussi un thruster et aussi maintenant des quadrifoils ou des 5. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de surfer qui permet d'avoir une précision et une accélération dans les trajectoires qui contribue à la liberté de positionnement et au choix de lecture de vagues et de trajectoires. Donc ce système permet donc une déformation, une cambrure et une incidence variable suivant le besoin qui est constamment changeant sur une planche de surf. Ici, on a besoin de tourner dans ce sens-là, ici, dans ce sens-là, et ici, on a besoin d'aller tout droit. Et on a besoin de trois positions dynamiques différentes, une droite, une cambrée d'un côté et une cambrée de l'autre côté. Et on les a grâce à ce type d'aileron.